qui représente Natation Canada, Plongeon Canada, Synchro Canada ainsi que Water Polo Canada en vue des 14e championnats mondiaux aquatiques de la FINA qui se dérouleront du 16 au 31 juillet à Shanghai en Chine. Hello everyone and welcome to this media conference featuring Canadian athletes heading to the 2011 FINA World Championships. Mon nom est Sylvie Fréchette, médaillée d'or et d'argent aux Jeux olympiques et double médaillée d'or aux championnats mondiaux aquatiques de la FINA. Et je suis très heureuse d'être votre animatrice pour l'activité aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence parmi nous aujourd'hui. Before we start, I would like to acknowledge the presence among us today of Monsieur Richard Bélanger, conseiller associé en sport et loisirs à la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Vanessa Haywood de Spido. Madame Caroline Sharp, gestionnaire des communications sportives au Comité olympique canadien. Monsieur Pierre Lafontaine, directeur général et entraîneur national de Natation Canada. Gosselin-Després, chef de la direction de Synchro Canada. Scott Cranham, directeur de la haute performance de Plongeon Canada. Pierre Lantois, José Grandmaître et plusieurs autres membres du personnel du CNMM et des spécialistes du CNMM qui aident quotidiennement les athlètes. Directrice principale communication et développement stratégique et durable au Parc Jean Drapeau de Montréal. Isabelle Cloutier, directrice exécutive Plongeon Québec. Les membres du personnel de Natation Canada, Plongeon Canada, Synchro Canada ainsi que Water Polo Canada. Of the four aquatic federations who are with us today, et surtout les athlètes qui nous représenteront à Shanghai cet été et que je vous présenterai un peu plus tard. Bienvenue à tous, welcome everyone. À un an des Jeux olympiques de Londres, les 14e championnats mondiaux aquatiques de la FINA représentent une étape importante dans leur préparation olympique. Avant de remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques de 92, j'avais également mérité l'or aux championnats du monde aquatique qui, dans le temps, avait lieu à Perth, en Australie, ainsi qu'en 1986 en équipe aux championnats du monde à Madrid. But during the upcoming years, I will live the preparation as the assistant chef de mission of the 2012 Canadian Olympic team. Je dois vous avouer que dans la carrière d'un athlète, les championnats du monde est vraiment une étape très importante. Parce que comme on le sait, pour atteindre un objectif olympique, ça prend plusieurs étapes avant ça. Et les championnats du monde est la dernière grande marche pour les athlètes de pouvoir vraiment affronter l'élite mondiale dans leur propre discipline, mais aussi être capable d'évaluer leur propre progression. Chaque athlète a des choses à corriger, chaque athlète a des points à améliorer, ainsi que les entraîneurs, les fédérations et tout le monde autour d'eux. Alors c'est probablement une des dernières fois où toutes les équipes de préparation vont avoir la chance de se mesurer aux autres à travers le monde pour revenir à la maison, continuer les compétitions, continuer l'entraînement et retourner de plus belle pour les Jeux olympiques. Alors je vous dirais que cet été, c'est vraiment une étape hyper importante dans la préparation des athlètes ainsi que de toute l'équipe autour d'eux. Débutons par l'équipe masculine canadienne de water polo. L'équipe n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle s'entraîne à Calgary, mais regardons une vidéo mettant en vedette le capitaine de l'équipe, le gardien Robin Rendall, ainsi que l'entraîneur-chef de l'équipe masculine, Dragan Jovanovic. We have two major competitions. One is World Championship, one is Pan American Games. For us, Pan American Games are a key because of the big qualifying event, you know, for Olympics in London 2012. World Championship is qualification as well for Olympics, you know, but it's much harder for us in this moment to count on qualifying through World Championship. Therefore, you know, like our focus is
I would say 95% on Pan American Games. That doesn't mean that we will just throw away World Championship, but World Championship will be one stage, one step in our preparation towards the Pan Am Games. Objectives, we would love to be in the top 8 again. That's our goal. It's not going to be easy at all, even though our group seems to be easier a little bit, you know, than there are three groups, but we still have to beat one opponent, you know, who is very, very tough to go to top eight. One of those opponents that we have to beat is USA, who was second at the Olympics, last Olympics, who was fourth at the 2009 Worlds. Then the other team is Italy, who last year finished second at the European Championship, and Germany, who is currently sixth in the world. So neither of those teams are easy, and it's going to take a lot of dedication, a lot of time, a lot of preparations, a lot of focus, a lot of desire, knowledge, you know, to beat them. I think we have a chance, and we will see. We'll go from here. Well, every World Championships that I've been to with Dragon and with Team Canada, we've got a best ever. 12th was also a best ever, so we've made some fantastic strides forward, and I think that's due to a work ethic and an attitude of professionalism that is unprecedented in water polo Canada. I think that's one thing that will give us. I think it will give us confidence. When we go to Pan Am Games, we won't be facing all the big European powerhouses, but we'll have to pull our game together and we'll have to stick to the game plan. And I think that the maturity that will come from having played at a World Championships, especially in such close succession to a Pan American Games, where we have to win, we have to get gold, nothing less, or we don't qualify for the Olympics, will be a great tool for us. La liste complète des athlètes potentiels de l'équipe nationale masculine de water polo qui représenteront le pays lors des 14e championnats mondiaux aquatiques de la FINA est disponible dans la trousse de presse disponible à l'entrée. Alors maintenant, je vous présente l'équipe féminine de water polo potentielle pour les championnats mondiaux aquatiques de la FINA 2011. L'équipe sera finalisée au cours des prochaines semaines. And now Canada's women's water polo team for the 2011 FINA World Aquatic Championships. De Rivière-des-Prairies est la capitaine de l'équipe, Christina Alonso. De Montréal, Sophie Baron. Sophie Baron-Lassalle, pardon. De Pointe-Claire, Joëlle Décassie. De Winnipeg, les gardiennes de but, Serena Preden. De Bécafé, Tara Campbell. De Calvary, Émilie Sikos. De Maple Ridge, en Colombie-Britannique, Carmen Higgins. De Maple Ridge, en Colombie-Britannique, Monica Higgins. De Regina, Whitney Galloway. De Beaconsfield, des gardiens de but, Marissa Jensen. De Dorval, Katrina Mountain. De Montréal, Dominique Ferro. De Pointe-Claire, Marina Radou. De Victoria et gardienne de but, Rachel Riddle. De la Chine, Christine Robinson. De Beaconsfield, Rosanna Tomiouk. De Pointe-Claire, Stéphanie Valin. Et de la salle, Anna Yelisa Opa. Entraîneur-chef, Pat Holton. Les assistants à l'entraîneur-chef, Daniel Bartelet, Justin Olivera, ainsi que Julia Cott. J'inviterai maintenant Christina Alopo ainsi que Christine Robinson à vous présenter les objectifs et défis de l'équipe nationale féminine de water polo en vue des championnats mondiaux prochains. Good afternoon, everyone. My name is Christine Robinson, and this is Christina Alopo. We're really happy to be here with you this afternoon. Bon après-midi à tous. Ça, c'est Christine Robinson. Moi, je suis Christina Alopo, puis on va parler en
à propos de notre équipe et nos objectifs pour cet été. So we're really excited for Shanghai this summer. For our team, obviously for the women's side, it's not an Olympic qualifier, and our big goal this year is to qualify for the Olympics at Pan Ams in October. So World Championships for us will really be used as an indicator of where we stand against the rest of the world, and it'll really be a good opportunity for us to make adjustments and make any tweaks that we need to do going into the Pan Am Games in October. On est vraiment excités et prêts pour ces championnats du monde. Ça va être un essai pour notre équipe. On va travailler des différentes affaires qu'on veut voir pour se préparer pour nos qualifications qui vont être cet octobre aux Jeux panaméricains au Mexique. On va se préparer en équipe et on va trouver les bonnes façons et arriver premier à ce championnat du monde. So that being said, we're all about performance and we're all about improvement. And in 2009 in Rome at World Championships, our team actually won the silver medal. And in order to improve on that, I mean, there's only one other spot to go up, and that's a gold medal. And that's what we're aiming for, and I think we're really confident that we'll be able to do that this year. Avec ça a été dit, c'est sûr qu'on va continuer à travailler fort, puis notre objectif, c'est pas juste de bien performer puis trouver notre équipe, c'est sûr qu'on est arrivé deuxième au dernier championnat du monde, puis notre objectif, c'est juste une position plus haut que ça, ça va être sur le podium puis être premier dans le monde, puis c'est ça qu'on veut, c'est beau. So we're really excited for Shanghai, and we're really excited to be able to watch and cheer on all the other athletes, so good luck and thank you everyone. On est vraiment excités pour Shanghai, puis on est vraiment excités pour encourager tout le reste du Canada. On aime ça aller à des événements comme ça pour voir les autres sports, puis encourager notre pays, puis les autres sports. Puis bonne chance à tout le monde, puis bonne chance à tous.